Moi, comment c'est comme ça, je dis, pour me dire que si je dis, capable de toute qualité de problème, ça y est, je regarde pour moi, tout le monde qui a critiqué Gary Conny. Je regarde pour moi, tout le monde qui a critiqué Koulev Setre. Qui est-ce? C'est même monde qui a fait promotion pour yo. Je regarde pour moi, je dis, qui est-ce qui campe de bon côté et Koulev Setre, comment il est 7 présidents ou bien 9 présidents, qui a critiqué Gary Conny, qui m'a dit, faut que tu aies révoqué, et comment il est, et jeune dame, non, comment elle s'appelle encore, Dominique, madame Dominique, qu'est-ce qu'a demandé pour évoquer? C'est même monde qui t'a aidé pour que tu arrives là. Je dis à moi-même comme si ça dérangeait comme si m'dadjou pour moi m'a le même position avec mon saïo. De fait, comment qu'a fait camper? Va camper nos positions net. Peuple haïtien. Cap tandem en dedans ou à l'extérieur pays. Ma faut-il parler avec zami nous. Compatriotes nous. Haïtien qui souhaitait que Haïti la sécurité, et la paix, et la stabilité, m'a demandé nous de prêter attention pendant quelques minutes. Nous allons parler. Commissaire Jeunesse plus calé, complot monté par-ci par-là. Pour question que nous avons posée, même si c'était grand public dans le cadre de là, posez question ça pour nous. Pour que ça, chaque grand monde qui prend défense ou bien campé pour côté majorité peuple, qui prend des décisions qui n'ont intérêt peuple haïtien, pour pays ça capable de la paix, pour qui ça? Pour un groupe de monde qui parle de et qui prêt pour éliminer et qu'on machine tractation qui monte de toutes pièces pour que tu va éliminer mon ça, discréditer, faire comme si nous avons travaillé par son papier. Et au même majorité, si que t'es tout papier place aux épaules, quelque part, ou quand même fini par rendre compte que mon ça qui travaille pour moi, pas travaille pour ouvrir. Tellement il y a manipulé, tellement il y a fait travail dans l'opinion, fait comprendre que Miskade sont criminels. Nous comprenons. Nenel Kassi, nous ouais. Pierre Espérance, nous ouais. Dilet Wag dans le NIP, dans le studio, nous ouais. Assassin criminel, qui dans la politique, qui besoin de faire politique dans le NIP, nous ouais. Bon, grand bagage qui m'a pris des gens dans le NIP pour nous dire. Et m'a pris des peuples ici en deal. Ça n'a pas cherché dans le bout de la diable, n'a pas joué nous. Miskade dans notre tête, pas que Miragouane, il se préfère de discipline. Il se sénateur, Mounanip, il se député, Mounanip, il se délégué départemental, Mounanip, il se commissaire police, Mounanip, il se juge de paix, Mounanip, il se. Tout ça, Mounanip, ça doit gagner comme autorité. Nip, c'est côté qui a la paix, qui a la stabilité. Pour qui ça, on a besoin de finir avec Miskade. Papa ici, dernièrement, dernier coup qui coûte pour quoi la gueule, pas passé. Les gens utilisé ex-madame commissaire Miskade. Maman deux petites filles. Malheureusement, demoiselle là, a des têtes bien placées sous épaules lui, les quitter vagabond pour nous utiliser. Heureusement pour nous, et pour lui tout, avec 100 000, nous te jouons une information à temps. Nous te dis là que là, attention, n'a pas de presse comment on fonctionne. Et nous allons exemple pour lui, Chelson Zano. Nous disons sa pièce pour Stéphel. Ça coûte 10 ans prison dans la ville. Si ça va être haïtien. En pile compatriote dans les réseaux sociaux, qui campait pour voir Chelson d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il est en prison toujours. Ça veut dire que demoiselle ça, il a péri. Et monsieur que, je dis à l'étendre, il comprend, il fait regret. Parce que, ou capable pas avec le commissaire Miskade, nous avons deux petites avec nous condamnés pour que nous étions en contact. Ça veut dire que ça, Jean-Ernest Miskade n'a pas besoin de tuiles. Jean-Ernest Miskade n'a pas besoin de finavel. Jean-Ernest Miskade n'a pas de problème. Jean-Ernest Miskade dérange les gens. Et comme si Mdadjou, commissaire Lan, vient de devenir une véritable menace pour les assassins, pour tout criminel. Pour qu'ils ne soient pas dans la gang, pour aller Miskade. Soit dans le volant, pour qu'ils aillent Miskade. Soit pour kidnapper les gens, rançonner les gens. Soit pour prendre plaisir, leur gang kidnappe les gens, pour la brûler, pour la cacaner. Comment faire aller Miskade? Dernièrement, mon gros ami qui voit une photo, je vais prendre une vidéo. Côté qu'il y a deux jeunes garçons, pour qu'ils puissent faire nos champagnes. Monsieur Mouenegar a un gros bout de bâton fait pour la plaque de coup de bâton fait dans tout l'autre jeune garçon. Je vais garder les bagages, monsieur, je vais tout le temps dans ma prochaine. Alors, pour qu'on ait qui campait nos pays, qui est les jeunes Miskade, qui campait en face coalition, terroriste ça, gang ça. Alors, pour qu'on ait dit pour ça que, pour qu'on ait face Miskade, et bien, coup, tête madame, commissaire Miskade, pas que passé, qu'on ait Miskade pour un gang. Un criminel qui a fait toute qualité mouvement green, c'est que mon canapé fait malheureusement pas au courant parce que monsieur fait appel là, il fait la distance. Miskade qui est avec preuve à l'appui, tout bon jeu information et Miskade voyait au moins
moi gagné yo me dit que ça m'a quitté nèg yo parler en l'air et puis pour moi qui est-ce qui rêve Muscadet qui est-ce qui parle comme commissaire Muscadet et définitivement dans un seul jour nous être toutes nèg qui n'est qui gagne micro qui parle Muscadet nous est qui est-ce qui écrit sur réseaux sociaux qui parle Muscadet et ça que mon appel toujours dit c'est l'heure où il vient nos cafou côté que bagay la peut-être pral paraître un petit jeune noir et les sont pral ouais qui est-ce qui camé toute lumière sous chiméon mais Muscadet était tête frette parce que lui-même lui connaît des éléments lui connaît pas jamais faire rater mais nous-mêmes comme haïtien conséquent qui croit dans commissaire Muscadet et travail que l'a fait nous camper bon côté mais nous étions à observer pour regarder qui est-ce qui a frappé commissaire Muscadet et Noël mais mon ça qui a frappé commissaire là n'a petit bon Dieu béni yo que bon Dieu protéger yo parce que ça Muscadet a fait à la bon pour tout peut-être que il y a des gens qui choisissent de payer et utiliser pour que vous frappez comme ça. Mais les gens qui sont au pays, vous êtes allés dans le pays. Monsieur, quand vous êtes en Haïti, vous êtes allés sortir pour entrer dans le Grand Sud, vous êtes allés sortir pour entrer dans le Grand Nord. Ça veut dire que les gens croient qu'en dedans, ils ne parlent pas de vrai, mais c'est utiliser la vie qui a utilisé. Ça veut dire que tout le monde, quand vous essayez de frapper comme ça, vous êtes saisi nous parce que, monsieur, dame, il est trop tard. Parce que le virus Muscadéen il traverse tout secteur et tout haïtien comprend ni diaspora ici dans le KPDL. Pas l'état haïtien, pas Muscadéen qui a pour lui. On ne peut pas diaspora ici dans le KPDL. Quel que soit le peuple Muscadéen besoin, on a mobilisé pour diaspora ici pour nous pour nous balayer. Muscadéen est une machine, pour nous faire les guides de machine. Il faut que nous prenions l'initiative pour gagner notre machine. Parce que l'équipe Cavell là, justement, l'équipe Cavell là, une seule machine ne suffit pas. Il faut qu'il y ait plusieurs machines. Il faut que machine de blender parce qu'il faut chaque grenade qui est dans le commissaire l'y protéger. Pierre Espérance, nous ouais. Nanel Kassi, ouais. Nanel Kassi besoin de tourner dans l'île pour faire politique. Mais malheureusement, avec présence commissaire Jean-Ernest Muscadet, ou qu'a toujours vu faire politique dans l'île. Aïe 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 monsieur. Est-ce que nous là? Nanel Kassi besoin de tourner dans l'île pour faire politique. Avec présence Muscadet, ou qu'a toujours vu faire politique. Même j'ai Muscadet sécurisé mon nan nip, la libre sécurité tout. Mais logique pour qu'on ait que ou a vin nan nip. Logique pour qu'on ait que ou a vin nan nip. Avec quantité de nèg porte au prince sous lootement armé des dos, pour vin ba population nipoise lan. Pression pour yo camper bon côté ou la période élection pour yal yo bon vote qui pas démocratique. OK? Et mais justement ça fini. Et nan nip mon garanti ou. Et mon nan nip bien garanti ça tout. Nip c'est côté qui a fait pire l'élection et le sou qui a fait pire propre pire soir. Parce que ce qui s'est passé, le peuple a pris le choix pour voter le monde qu'il voulait avec toute liberté. Il est capable d'exprimer le gens qu'il voulait. Qu'est-ce que ce bagaille, l'élection a fait en Katimini, groupe gang armé, comme si Ndadjou, contrôle on s'est descendu de vote, ça a mis jusqu'à des finavelles. Les finavelles, et c'est ça qui dérangeait Nenel Kassi. Et c'est pour ça que l'expérience a travaillé d'HP pour éliminer le commissaire Muscadet. Et m'a dit ça très bien. Ça va gagner une semaine, non? Pierre Espérance de Washington DC. Selon l'information que j'ai gagné, monsieur a deux rapports qui sont déjà à l'international là déjà. La bataille pour le commissariat des droits de l'homme dans les Nations Unies, et même pour pouvoir arriver au niveau côté que pour faire pression sur Gary Paytil qui c'est Gary Kony, premier ministre de facto qui va gagner que la petite pays. Pour Pierre Espérance, tu as un support de blanc corrompu dans l'international que la travaille pour eux pour aider jouer une révocation commissaire Jean-Ernest Muscadet. Mais pas oublier, Nenel Kassi, sanctionné par les États-Unis d'Amérique pour gang, pour financer gang, pour assassinat, pour crime. Nenel Kassi, sanctionné par le Canada pour gang, pour assassinat, pour financer gang. Patron Nenel Kassi, poste Nenel Kassi, Renaldi, sanctionné par les États-Unis d'Amérique et le Canada pour gang, pour criminel, pour financer gang criminel et financer pays lock. Dans le pays d'Haïti, nous sommes jetés pays l'OC pendant 4 mois. Ça veut dire qui ça? Mais ça, c'est des criminels dans notre théorie. Et nous devons faire un peu de temps. Je dis en pays, nous venons parler parce qu'il faut que nous parlions. Que nous avons un indice dans nous. Nous avons assez de choses dans nous. Nous avons assez de l'ancien dans nous. Ok? Que nous parlons ensemble avec vous. Et notre petit commissaire Muscadet, répétez être frais. Bon Dieu dans le ciel là, campé dans nous. Nous pas qu'à faire une bataille. Nous sommes arrivés trop loin. Peuple haïtien. Je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif. Le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire. Restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous, la communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti, ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un état de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale
sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercées contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre, afin de garantir à chaque citoyen, le droit fondamental à la sécurité. Johnny Fazila, à faire promotion pour la sécurité. Condamné. Et même moi, c'est même mieux maintenant. Je veux dire, qui est en position, qui a critiqué. Même pose une question. Je te dis avec Nigel, ni Johnny. Monsieur, nous sommes deux jeunes garçons. Nous connaissons les gars déjà. Pas rien qui a prévu. Nous avons une classe politique là déjà, pas rien qui a prévu. Ceux qui volent qui ont. Mais nous faisons promotion pour vous. Pour tout mal propre qui vient là. Après ça, demain si demain, c'est nous encore qui va le proposer, une critique, une petite questionnaire, pendant que nous connaissons ce que ça qui est. Et c'est qu'on y a mis comprendre effectivement. Radio dans le pays d'Haïti, journaliste dans le pays d'Haïti, c'est exactement l'élément système. Ils travaillent conscient ou inconsciemment. Vous entendez bien, oui? Ils travaillent conscient ou inconsciemment. Gagnent volontairement. Je décide de mettre au service système non. Et inconsciemment, médias qui travaillent là, ligon ligne, c'est travail à travers le système non. Inconsciemment, la travail pour le système en tant que professionnel lui-même. Puis devant le parle comprendre que système ça besoin de support directement et bien lui-même il vient positionner comme élément système non. Système non, pardon. Le ça, la prend l'argent directement dans le système non. Dans le système. Parce que licencié. Faites si l'argent ni je ne sais pour fonctionner, gérer une famille avec l'argent système. Nan. Mais le système nan estime que son bon joueur, il dit avec directement. Non seulement les médias qui travaillent, c'est toujours le système, nan, mais lui-même, tout comme journaliste qui est dans les médias, propriétaire du système, il embrasse que Bali par en Bali même. Ça veut dire qu'il a fait deux copes. Mais comme le système de Bali, c'est le gros copes. Le ça n'est pas pire avec que avec. De fait, je dis pays, je dis tout compagnie que je suis capable de me faire. Je dis, si nous voulons changer Haïti, si nous voulons propre pays, ça, ben pays en route, pour nous pas jamais sans avis politique, mal pour autre politique, gang politique, voyou politique, sanguiné politique, bousé politique. Mais si c'est politique, désolé, parce que toute la dedans parce que sinon, nous avons fait le tichin, non, on a été pourri dernièrement là, c'est pas la Dominicaine, on a la pourrinette, fait l'état pété, parce que. Dans toute jeunesse, il fait tout le temps la brasser bagaille, comme si il y a un espace côté qui va faire tout. Qui va faire pour ça. Mais le film grand monde, il y a des répercussions dans lui, il va connaître, il y a un endroit qui va faire. Si nous avons les tichines, nous représentons la valasse dans le bagaille. Et puis, je dis que pour nous ne pas jamais gagner, le groupe de monde qui a fait politique dans le pays, il faut que. Nous connaissons qui média qui a véhiculé l'information sur le monde, qui est ce média qui a vendu nos séries de leaders, nos séries de faux leaders. Qui est ce média qui est là, c'est important. Et c'est une bagarre que nous devons mettre focus sur lui. Et m'intéresser à mettre focus sur lui. Dans ce sens, je dis que responsabilité pas moi-même, moi-même. Je ne vais pas le compte jouer pièce média. Là, là, là. Mais sauf que ça qui est important. Si je dis capable de arriver là, avec monsieur, pour lever cette traite, moi je dis à 70% radio et télévision Caraïbe de Patrick Poussignac ou contribuer à 70%.